D'un lancement, le lancement d'une campagne contre cette loi de 96. Le but de cette manifestation, c'est bien le lancement de la campagne, mais c'est aussi et surtout attirer l'attention du grand public sur le côté affreux, négatif, que cette loi a pour le monde du travail et pour les salaires. Miranda vient de le dire, un des messages importants que nous voulons porter aujourd'hui. On commence une campagne. Si, en juin 2022, il n'y a pas de proposition de loi, si en juin 2022, on constate que la loi ne sera pas modifiée, eh bien, la FGTB n'ira pas négocier un accord interprofessionnel pour 2023-2024. Le message est clair aujourd'hui.